choix. Comme vous le savez, le Burkina Faso a été demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe qui a été très, très performante durant cette CAN. Et puis la Tunisie, vous savez, c'est pas parce qu'on est éliminé au premier tour qu'on n'a pas une bonne équipe. Il y a beaucoup de bonnes équipes qui se sont éliminées au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie reste une équipe avec de très très bonnes individualités. Un très bon test. Et comme c'est le deuxième match, celui qui viendra mardi, il y aura forcément, comme vous le savez, et depuis que je suis ici, un turnover. Donc, je pense que c'est bien des fois de se confronter à des pays arabes, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une certaine... on appelle ça un derby, donc c'est toujours bien. Et c'est important pour voir certains nouveaux joueurs, parce qu'on a besoin toujours d'anticiper sur l'avenir, c'est-à-dire de préparer les futures grandes échéances qu'on va avoir à fond. C'est un petit peu difficile pour lui, donc j'espère que sa décision, entre guillemets, je serai capable de le faire changer d'avis, parce que c'est mon souhait et j'ai pas peur de lui dire. Maintenant, comme vous le disiez, il faut qu'il puisse participer à des matchs et lorsque la liste a été donnée, il venait juste d'être titulaire des deux matchs précédents. Donc, je pense qu'un match de Champions League, quand si l'entraîneur de l'équipe de la Juventus de terrain le pense apte à jouer un match de Champions League, je pense qu'il est apte à jouer un match international. Qu'on devait faire mieux, qu'on méritait de faire mieux. Donc après, il y a toujours des choses à parfaire, bien sûr. On aimerait, bien sûr, rentrer sur le terrain et être capable de faire comme le FC Barcelone ou l'AS Monaco en ce moment, c'est-à-dire d'être capable de marquer 3-4 buts. Mais vous savez, c'est la chose la plus difficile en football. Être à la fois solide et à la fois mettre l'adversaire en danger constamment pour pouvoir être très très efficace. Donc aujourd'hui, il faut trouver ce juste milieu entre les deux, entre la solidité et l'efficacité. Donc pour conclure avec votre question, on se doit d'être beaucoup plus efficace.